Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Nous allons parler dans cette vidéo des progressions d'accords. Et j'ai l'honneur d'être assisté par deux professeurs qui va s'occuper de la partie théorique et va nous expliquer ce sujet de manière claire et précise. Bonjour de professeur. Bonjour mon ami. Alors, de professeur, je vais jouer le rôle d'une personne qui débute dans la musique et je vais simplement vous poser quelques questions. Et tout débutant se pose donc excusez moi d'avance si certaines de ces questions vont vous paraître débiles non mon ami il n'y a pas de questions stupides ou débiles dans la musique pose moi n'importe quelle question <laughs> ok merci de professeur ma première question est celle ci j'attends souvent parler ou je vois souvent sur le net les progressions d'accords de 5a concrètement qu'est ce que cela signifie c'est une très bonne question. Alors, nous allons directement commencer par définir chaque mot. Nous commençons par le mot progression. Pour en savoir un peu plus sur ce mot, nous allons voir comment le dictionnaire Robert définit le mot progression. Regardons cela attentivement. Ici, le dictionnaire Robert nous donne trois définitions. Bien évidemment, nous allons prendre la définition qui nous correspond au mieux à notre terme progression. Je vous lis la première définition. La première définition dit ceci suite de nombres dans laquelle chaque terme est déduit du précédent par une loi constante par exemple une progression arithmétique ou géométrique la deuxième définition dit ceci avancée élaborée et organisée par exemple la progression d'une armée la troisième définition dit ceci développement par degrés régulier et continu par exemple la progression du chômage donc lorsque nous regardons ces trois définitions nous voyons que la première définition correspond le mieux à notre terme de progression. Il nous parle d'une suite. Vous devez savoir qu'une suite, c'est une succession de quelque chose. Dans cette définition, on parle d'une suite de nombres. Sauf que nous, nous n'allons pas aborder le nombre, mais bien d'un ou des accords. Dans ce cas, nous pouvons changer notre mot progression par suite et le mot nombre par accord, ce qui nous donne une suite d'accords. Maintenant, voyons pour le mot accord. Qu'est-ce que c'est nous allons cette fois-ci prendre la définition du dictionnaire Larousse. Nous voyons qu'il nous propose plusieurs définitions et cela tombe bien. Corps dans la musique, lisons cela ensemble. C'est une union, quelque chose qui est attaché ou réuni. Coordonné, c'est-à-dire de manière ordonnée, d'au moins trois sons. Ici, le son signifie une note de musique. Il faut en avoir au moins trois. Nous continuons la lecture. Constituant l'harmonie. Constituant veut dire qui compose l'harmonie. L'harmonie, vous avez sûrement entendu parler de cela, une harmonie, c'est plusieurs sons agréables à l'oreille. Voilà, nous arrivons à la fin de la définition d'une progression d'accords. Pour être bref, une progression d'accords dans un langage simple, c'est une suite ou une succession d'au moins trois notes unies ou attachées. Wow, vous avez vraiment très bien expliqué cela, de professeur. C'est clair que lorsqu'on aborde un sujet et qu'on n'arrive même pas bien à définir comme il faut le titre du sujet, c'est mal comme disent les jeunes. Encore une fois, merci de professeur pour cette définition. Mais vous oubliez le chiffre 251. Qu'est-ce que c'est Un code secret entre musiciens <laughs> Rien de tout cela, mon ami. Le 251 est une cadence. Une cadence c'est une répétition de son qu'on retrouve souvent dans le jazz, le blues, le gospel et plein d'autres styles. Nous allons voir comment elle se construit et comment l'enchaîner rapidement et facilement sur le piano. Si vous aviez prêté attention, vous avez sûrement remarqué que mon 2-5-1, je ne l'ai pas écrit en chiffres arabes, mais bien en chiffres romains. Il y a une raison à cela. Dans la musique, on utilise fréquemment des chiffres romains pour décrire comment les accords opèrent au son des différentes gammes. Les gammes en musique, ce sont des ensembles de notes basés sur la répétition des motifs. Pensez par exemple aux notions de gammes majeures et mineures. Si vous n'êtes pas friand des concepts théoriques barbants et compliqués, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Toutes les gammes majeures et mineures dans la musique possèdent exactement la même séquence d'accords. Une séquence, c'est une cadence. Donc, il vous suffit simplement de mémoriser deux séquences et vous obtenez une progression d'accords. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre de tout de suite de quoi je veux parler. Je vous affiche un tableau qui vous montre la séquence de chiffres romains pour des accords de gamme majeure. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, dans la première ligne, nous voyons le degré d'une tonalité représentée en chiffres romains. Je vous fais un petit rappel concernant le degré. Le degré désigne tout simplement la place d'une note dans une gamme. Nous voyons ici que le premier degré c'est la tonique, le deuxième degré le sus tonique, le troisième degré la médiante. le quatrième degré le sous dominante, le cinquième degré la dominante, le sixième degré le sus dominante et le septième degré la note sensible. La deuxième ligne nous indique les modes d'une tonalité. Elle peut être majeure ou mineure. Et les lignes restantes ce sont les accords. Maintenant, regardons de plus près la première colonne. Elle nous montre que la première tonalité est toujours en majeur, ce qui veut dire que tous les accords de cette colonne sont majeurs. Ici, nous voyons les 7 degrés de l'échelle diatonique, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dans la deuxième colonne, nous voyons que le 2 en chiffre romain est écrit en minuscule. Cela veut dire que tous les accords de cette colonne sont mineurs. Donc en majuscule, cela veut dire que les accords sont majeurs. Et en minuscule, les accords sont mineurs ou diminués. Donc, nous pouvons poursuivre notre logique à la troisième colonne. Les accords sont mineurs. La quatrième colonne, les accords sont majeurs. La cinquième colonne, les accords sont majeurs. La sixième colonne, les accords sont mineurs. Et la septième colonne, exceptionnellement, les accords sont diminués. Vous pouvez faire de même avec les gammes majeures. Je vous montre le tableau. Maintenant, nous pouvons parler du 2-5-1. Il existe deux sortes. Les majeures et mineurs. Tout dépendra de la gamme dans laquelle vous êtes. Si vous avez compris le fonctionnement du tableau, vous avez sûrement saisi que le 2. Et le deuxième degré de la tonalité qui est toujours en mineur. Prenons par exemple la tonalité de Do majeur. Notre 2 est un Ré, sauf que le mode nous dit que le Ré doit être en mineur. Du coup, le 2 devient Ré mineur. Ensuite, le 5 est un sol qui est majeur. Et nous finissons par un 1 qui est Do majeur. Je ne sais pas si ce que je vous dis est clair. Oui, je pense avoir bien saisi le professeur. En résumé, une progression, c'est une combinaison d'accords que je dois réaliser à un moment T d'une chanson et le 2-5-1 m'indique la combinaison à réaliser. Et le tableau que vous avez montré à l'instant, les tableaux de gamme, peut m'aider à trouver justement ces accords. Exactement. Mais cela veut dire qu'il existe plusieurs progressions d'accords ou combinaisons d'accords. Tout à fait. Il existe des centaines de progressions d'accords et le 2-5-1 fait partie des progressions hyper connues car on le retrouve dans plusieurs styles de musique. Ah oui, je vois. Maintenant, j'ai deux, trois questions. Comment je peux placer le 2-5-1 dans une chanson À quel moment je peux le placer Le 2-5-1, à n'importe quel moment Je peux le placer dans n'importe quelle tonalité, oui ou non ce sont des très bonnes questions qui méritent d'être répondues de manière claire et précise. Je te propose de faire une pause et de te répondre dans la vidéo partie 2, qui sera plus concentrée sur la pratique. C'est dans cette vidéo que je répondrai à tes questions. On fait comme cela Ok, parfait. Je vous suis de professeur. Donc, les amis, nous nous trouvons dans la vidéo suivante, là où nous allons vraiment savoir comment placer le 2-5-1 dans n'importe quelle chanson. Sous ce coup, je vous souhaite les meilleurs voeux et une bonne année 2022. Portez-vous bien. Et à vous aussi, mes deux professeurs. À la prochaine. À la prochaine, mon ami. Et bonne année à tous.